Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 donc de Biome Sprint, la map où il faut tuer Miley Cyrus, enfin détruire Miley Cyrus. Donc une map complètement what the fuck. Je suis désolé pour je suis désolé donc pour l'épisode précédent qui était plutôt court, 11 minutes seulement. J'encode toujours l'épisode 1, je tourne toujours à la suite. Donc j'ai toujours des petits ralentissements, c'est dû à l'encodage de la vidéo. Attendez, je suis con moi. Eh. Mais attendez. On va pas laisser tomber ça quand même. Il demande combien on a de diamants à la fin de la partie, sachant qu'on joue en survival et que... Et qu'évidemment... Et donc évidemment, on peut casser les blocs que l'on veut. En gros, on joue complètement comme on veut sur cette map. Il n'y a pas réellement de règles, si ce n'est faire le parcours. Mais on peut casser les blocs que l'on veut. Et évidemment, on va se faire la full armure en diamant. Voilà. Donc finalement je prévoyais de faire des accélérés pendant les phases de minage, mais vu quand la durée de l'épisode précédent, on va pas en faire. Et puis de toute façon, voilà, je sais pas, ça me laisse l'occasion de vous parler, vous m'écoutez, d'ailleurs qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, voilà. Ok, l'encodage à mon avis est en train d'atteindre un niveau important, donc ça ralentit à fond. Hein. Si ça devient vraiment trop injouable, je couperai, mais voilà pour le moment, bon, c'est que du minage, c'est pas grand-chose. On a 36 blocs de diamants. Hop les, alors, allons-y. Alors, déjà on a 18. Alors, le futal. Et on va juste enlever. Ben, c'est simple, en fait, on a le futal. Et ici, on va enlever un. Et ici, on va en enlever un. Donc, on a. Donc, ce qui fait qu'on a. Donc, le futal, le casque, les bottes. Avec les 11 diamants restants, on a le plastron. Ok, donc voilà. Et voilà. Et on va tomber là-dedans, voir un petit peu ce qui nous y attend. Ah, il restait un bloc de diamant. Alors par contre, on n'a plus de blocs normaux, entre guillemets. On a toujours des blocs normaux. On est entouré de cubes normaux. Juste avant. Alors, ça on n'a plus besoin. Ça on n'a plus besoin. Ils sont neufs hein, les machins, hein, mais ça fait rien. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'autres. Finalement, je comptais faire de la redstone dans cette aventure. Et finalement, à mon avis, on va arriver à la fin. Et il va rien en être. Pourquoi tu voulais pas lâcher les torches, toi? Je sais pas, mon jeu est tombé amoureux d'une torche. Alors par contre les outils on va les garder en fer. Si
on a besoin de se faire de... Comment? Comment ça s'appelle? De l'obsidienne, par exemple, et ben on se fera une pioche en diamant. En attendant, ce que je voulais, moi, c'était une pelle en fer. C'est une pelle pour tout simplement. Ouais, ça se voit que ça frise un petit peu, hein. Bon. Ouais, et puis évidemment, on récupère ça. Ok, alors. Ah oui, on a aussi du grès poli. Hop, merci d'être passé. Bon, on va juste passer ici. On en a encore 14. Ici, voilà. Hop, là je sais pas ce que c'est encore. Voilà, un saut. Hop, à deux ronds. J'adore, j'ai une armure en diamant. Oui, mais j'ai pas aussi Feather Falling aussi. Hein. Alors, Reed, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des courses de chevaux aussi. prenez un ours, il faut fall, go back behind the fence and start over. Ok. Ouh, ils ont l'air pressés. Ils ont l'air pressés. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, je crois qu'il me faut une main vide pour ça. Alors simplement que je casse. Voilà. C'est parti. Ouais, j'ai un peu de mal à maîtriser les chevaux. Ouais, parce que c'est pas un saut instantané, c'est... Il faut charger le saut. Ok. Oh, c'est pas vrai. Toujours autant les chevaux. Ouais, non, attendez, je fais n'importe quoi là. Ouais. Feuille tombée. Alors, d'accord, on peut laisser notre cheval ici. On a des leads, ah, c'est génial, merci. Sauf que j'en ai une en fait. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû frapper mon... Alors, nothing vantage. C'est quoi? Je sais pas, il y avait un... On doit faire un choix. Soit on le kill, soit on le tue.
Enfin, soit on le sauve, soit on le... Oh, on va le sauver. Et juste pour savoir si j'avais fait kill. D'accord, il mourrait dans la lave, ok. D'accord, en fait, ils sont les créateurs de la map. Hein. C'est... Voilà. Ok. Juste un truc. Tu me proposes quelque chose ou pas? Non? Du papier? Ok. Et toi là-bas? 11 d'émeraude contre une armure, ouais, c'est tout. Oh, pff, ouais, rien d'intéressant. Ça. Oh, je pensais au moins que vous vendriez un stuff cheaté ou quelque chose comme ça. Alors. Bah, des redstone torches, j'en ai. Ils disent de trouver une redstone torche dans le. Dans le. Donc, à l'occasion, fallait pas casser de bloc. Mais bon. On va explorer de toute façon, ça va être une phase d'exploration. Bah écoutez, je crois que c'est le... De toute façon, c'est le château final. Oh non, on est trop... accéder à la maison via le sol... ah non, via le toit. Ouais. Pas sûr, on peut... En soi, on pourrait... Ah alors, ça je prends. Il n'y a rien dedans, mais est-ce qu'on peut se faire des potions? Non, on n'a pas de Netherwart. Ok. Bon, ici, pas grand-chose d'intéressant. Ah si. Ouais bah oui on accède au toit simplement. Un lit. Oh des émeraudes. Des émeraudes. Des diamants. On va juste explorer un petit peu, hein, parce qu'on est là aussi un peu pour ça. Je l'ai vu la torche white. Ouais. En soit le charbon on va le prendre. Mais pff, le charbon il sert plus à rien résultat. On va s'en servir en tant que bloc si jamais on est coincé. Mais en soi pas très très utile. Hein. Bon, c'est tout. On va arrêter là. Si, un espace avec des torches, je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un espace avec des torches. Hop là. Voilà. Ok, on va continuer un petit peu. Les lags ne s'arrangent pas à cause de l'encodage, toujours pareil. Si vous avez une torche de redstone, ne jouez pas à ce jeu. Ça va peut-être vider notre inventaire. Sur les torches d'Ariston visiblement. Et on a des trucs inutiles, on les laissera dans le coffre.
J'ai vu qu'il y avait un livre qui était arrivé, mais j'ai pas vu le livre. Bon. Alors quoi? D'accord. Excusez-moi. Bon bah. Diamond! If the door closed, ok d'accord. On va sortir alors. Parce que si la porte va se refermer derrière nous, on va éviter. Voilà, on a une torche de plus. Ah, il était là où le... Voilà. Alors attendez, on va déjà voir ce que dit Archery Ranch, donc c'est le livre qui est en haut là. Welcome to the... Ah, oui, ah la vache! Ah j'ai eu une chance de cocu en fait! Parce qu'en fait si je tirais le mauvais, je perdais les diamants. Et j'ai tiré en bon moment le bon. Attendez, je veux juste voir un truc. Je veux juste voir un truc, c'est ma curiosité, ça change pas. Je pense savoir le système qu'il y avait derrière. Si c'est le système que je pense. Non, non, en fait, non, c'était celui de gauche, c'était obligatoirement celui de gauche, les autres étaient faux. Je pensais qu'il y avait un système de random derrière. Je voulais juste vérifier s'il y avait bel et bien un système de random. Non, en fait, non, c'est celui de gauche. On va quand même remettre les deux blocs. Je voulais juste vérifier ça. S'ils avaient fait un système de random derrière. Mais j'ai tiré complètement au pif, j'ai pris celui de gauche. Allez, et puis bah c'était bon. Oui, puis donc résultat, que dit le diamant? Bien joué, enfin bon travail. I hope. J'espère que c'était. Ouais, j'espère que c'était bon pour vous. En gros, je pense que ça voulait dire ça. Alors en soi les livres on s'en fout. On va garder les pioches. L'arc on va le garder même si on n'a pas de flèches. On peut pas s'en faire. Qu'est-ce qu'on garde? Alors on garde la TNT parce que je compte faire péter Miley Cyrus. Attendez, hop, je remets mon micro un peu loin de ma bouche parce que sinon. Voilà. Alors, les blocs de redstone. Ça on s'en fout. Ça on va garder. Ça on embarque. Ouais, ça on prend, ça on prend. Ça on prend, ça on prend, ça on prend. Ça on va le laisser. Ça on prend, ça on prend. Ça aussi. Bâton, on va garder pour se faire des outils au cas où. Les livres, moi je compte faire un truc avec. Le repeater, on va le garder quand même, c'est de la redstone. L'établi, on va garder. Garder le coffre. Oh, piolo. Yolo, on va tout garder. On jettera dans la lave ce qu'on n'a pas besoin. Ça ira plus.
ça ira plus vite. Alors, ici on a des baraquements. Ok, et votre texture pack bug. En gros, le texture pack, c'est un peu comme le faceful, j'ai l'impression. Ok, il y a un four, il y a une table de crafting, mais on a ce qu'il faut sur nous. Jackpot. Pourquoi jackpot? Alors attendez. Vu que ce coffre là, de toute façon on le prendra pas, ça on va laisser. Ça on va laisser, ça on va laisser, ça on va laisser. Non. Ouais, si, ça on va laisser, ça aussi. Ça on va laisser. Ok, et on va prendre ça et on va le lire. J'ai essayé de lire le lingot. Ouais. Attends. Caché avec the depth, la profondeur des eaux. Je comprends pas la phrase. Apparemment, il y aurait un truc derrière l'eau. Pardon. Hop. Cette eau-là, on va voir, on va voir, on va voir. On termine les baraquements. Il y a un passage ici. Ah, je voulais ça, je le voulais. C'est nickel. Et il peut monter jusqu'à combien? Non, c'est ça que je voulais enchanter, c'est ça. Level 9. Là, tu peux enchanter jusqu'à combien? Ok. Eh ben, on va quand même se faire un petit accéléré. Ah, c'est de la laine. Ok. Faire un carré. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez sympa. On va faire ça en accéléré, bien sûr. Alors, on a 19 levels. On va pas le faire en accéléré, on va le faire comme ça, normalement. Alors, si, juste un truc. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'il me reste des blocs? Autre chose en bloc, bah, tant pis, on va utiliser parce que j'ai envie de garder les blocs. Hop, voilà. Alors, on a une protection 1. Encore un protection 1, ce qui nous fait déjà un protection 2. Aisance aquatique, ça nous arrange pas. Tranchant 1, ça va être pour une épée. Qu'on n'a pas de toute façon, on n'a pas d'épée.
Tranchant 1, donc déjà on a un tranchant 2 là. Aisance aquatique, ouais, donc ça sert à rien. Tranchant 1. Donc en soit le tranchant 1, si on trouve un tranchant 2, on peut avoir un tranchant 3. Efficacité 1, ça peut être utile. Efficacité 1, on a un efficacité 2 ici. Puissance 1, pour un arc c'est pas mal. On a un autre tranchant 1, ce qui fait qu'on peut avoir... ouais, mais on n'aura pas assez de niveau pour... Non, c'est pas ce que je voulais. Il est où mon autre tranchant 1, voilà. Et en soi, on a donc ces deux-là qu'on peut... qu'on pourra recombiner. En attendant, on a un protection 2. Donc voilà, donc on va avoir des livres d'enchantement. Donc pour le moment, on va les laisser ici, les livres d'enchantement. Je sais qu'on peut se faire un bon stuff avec ça. Donc ça va rester ici. On va voir si on peut pas encore gagner quelques niveaux pour fusionner ce qui reste. En soi, tout ça, je pourrais le démolir. Hein. Mais bon. D'accord, en plus, il y avait encore des trucs qui passaient. Alors, ouais, inventory tweak, ça serait pas mal. Hein. Mais bon. Soit je pourrais passer en easy juste le temps de me faire quelques niveaux, mais pareil, apparemment ben ça sert pas à grand chose non plus d'enchanter. Je pensais que l'armure servirait plus que ça, mais en fait, vu que c'est essentiellement un parcours, ben ça sert pas à grand chose en fait. Dommage, hein, y a du potentiel hein, sur les maps comme ça où on peut faire ce qu'on veut, franchement. Ben, y a qu'à voir ce que comment les maps de Set Blinks ou de comment ah les maps que fait Pierre là, le mec là qui fait des maps super hardcore là, bon ça me revient pas, mais voilà quoi, c'est ce genre de map, il y a un très gros potentiel. En soi, je pourrais tout embarquer, mais bon. On sait qu'ici, on pourra revenir pour le stuff. Et je me suis fait troller, je crois. Non, c'est bon. Ok. Ok. On va voir les diamants qu'on a. Donc apparemment, dans le système d'eau, là, il y aurait du diamant. Pas monter, on va bien voir. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a. Ok, je suis pas sûr d'avoir tout récupéré.
respire, respire. Le casque Aqua Affinity m'aurait peut-être aidé en fait. Mais bon, de toute façon, j'ai plus de niveau. Ok. J'ai voulu regrouper tous les diamants. Ah, allez, voilà. Là, normalement, elles sont tous là. Les 64 sont là. Ok, on va juste rapidement essayer de les recompacter. Et on va voir s'il en reste pas que j'aurais oublié. Donc cet épisode va être peut-être un peu être plus long, mais c'est pour compenser avec l'épisode 3, hein, évidemment. J'ai pas vu l'encodage. Non, c'est ça. Ok. Alors, hop. Alors, ici c'est bon. Écoutez, bon, on a fait le tour. Donc, prochaine étape. Attendez, on va juste essayer cette autre cascade pour vérifier. Parce que si je sais comment on va faire, ça va être moins chiant. Je vais prendre un peu d'air. Voilà. Non, ici il n'y a pas de cascade. Enfin, il n'y a pas de... Ok. Allez, une torche de redstone. Et donc apparemment ça est encore un parcours à la Mario, donc eh ben écoutez, une seconde, eh ben oui c'est bien ça, plus d'une demi-heure, donc eh ben nous nous retrouvons pour l'épisode 5, ouah, ah, excusez-moi je m'étire, l'épisode 5 de Biome Sprint, voilà, eh ben... A tout à l'heure pour moi, je vais laisser, vu que va y avoir du saut, je vais laisser l'encodage se finir, donc on se retrouvera peut-être demain, enfin pour moi demain, et bah sur ce, je vous dis à bientôt.